As an engineering student, I am more geared towards finding realistic solutions to problems in vicinities, problems that affect humanity and problems that affect our planet. And I begin this journey from my own community here in Sokoban Wood Village. Just a step in Sokoban Wood Village will tell anybody that the vicinity is a huge wood processing industry on its own, covering 12.5 hectares of land. And after every day's work, the artisans here find it very difficult to dispose of the waste here. So they call on to the youth and women in their vicinity here to dispose of their waste. And they don't do so properly. They do so by burning. And we know that burning causes air pollution. It takes one person and another to actually solve a problem like this. And that is what I'm looking to solve. So I asked a couple of my lecturers and my mentors in order to find out possible ways of transforming the wood waste into something beneficial for the community. And then out of these recommendations and the suggestions, I figured out that the best of them was transforming the wood waste into mushrooms. Yes. And then I figured also that applying the concept of circular economy would be very good in impacting the project as well as the community. So first of all, I conducted a series of research and surveys to really check the need of the eradication of the sawdust in Sokoban. And then I conducted a series of tests and prototypes as well to look at the efficiency and feasibility of the project idea. Then my mushrooms got ready during the process, and I shared it with a couple of neighbors around me. And I really got encouraging feedback from them. Mre eyi mra ade a udi a eyi ntimete wono mi pemre. Mi di mre into wo hwe se de mini pesuti a eyi mre na de bi mi di. Eyi chem enam sa wo bewe nam. Emwao. Enti asa wo he ya metie yi Wood Village. Wo mo so das bibre eneku wo. Se ye besno na wisie ebe haye na be fire ne ye abade ene me dwen se ye ye mire no na ye di na bo ni pedua na kwa eme ye ho ye fa eye. I envisage a Sokoban where there is a direct connection of wood waste from the workplaces of the artisans to a production site in order to ensure a constant production of mushrooms and hence enhance sustainability. I also look forward to making this project idea in a such a way that it becomes an avenue to provide jobs for women as well as the youth. And I strongly believe that this will go a long way to helping humanity, the people living here, and also impacting the environment to be a better place to live in. Plutôt inspirant hein, comme vidéo, moi j'aime bien, j'aime beaucoup l'énergie de cette jeune femme, cette jeune ingénieure du Ghana, Christina, qui a osé penser différemment et qui est parvenue à emmener avec elle toute une communauté. Un exemple qui est parfait pour lancer notre troisième table ronde, oui les choses sont très très bien faites, hein. Ça a été très bien organisé, nous allons nous demander comment la recherche contribue à des solutions permettant de bâtir des économies, des sociétés durables. Mais nous allons aussi voir à quels obstacles elle est parfois ou même trop souvent confrontée. Voici venu le moment de vous présenter les membres de notre panel. Alors, bonjour Hakim Gapni, vous êtes professeur en géosciences, directeur général du CERT, le Centre de Recherche et des Technologies des Eaux, centre pionnier de la R&D dans le domaine de l'eau et partenaire sud stratégique de l'IRD. Merci de venir de Tunisie. Ensuite, nous avons Michel Mbo-Chouaou. Vous êtes socio-économiste et directrice adjointe de EWARD, African Woman in Agricultural Research and Development, un programme basé à Nairobi au Kenya qui vise à soutenir les jeunes scientifiques africaines et améliorer leur visibilité, notamment en matière de recherche agricole et climatique. Merci à vous. Ensuite, Patricia Ricard, vous êtes présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui depuis 1966, encore quelqu'un de bien ancien, sensibilise à la protection de l'océan, mais c'est très bien, sensibilise à la protection de l'océan et œuvre au rapprochement des mondes économiques et scientifiques. Enfin, François Tadéhi, vous êtes anciennement chercheur en génétique, mais vous êtes aujourd'hui président du Learning Planet Institute, créé il y a une vingtaine d'années et dont l'objectif est d'expérimenter et de partager de nouvelles manières d'apprendre. Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints. Je voudrais commencer par vous, Hakim. Concrètement, qu'est-ce que vous, en tant que professeur en géosciences, faites au jour le jour pour transformer la société tunisienne, pour donner le nom à cette table ronde?
Merci pour l'invitation et j'aimerais souhaiter un bon anniversaire et longue vie à l'IRD, tout d'abord. Merci pour elle. Je représente le Centre de recherche et de technologie des eaux, mais je représente en général la recherche scientifique en Tunisie. Et nous faisons partie donc du réseau sud de l'IRD. Et donc, comme vous savez, le scientifique, c'est une voie libre, il a une certaine liberté académique. Et comme vient de dire M. Pauvre Davor, donc à travers nos recherches scientifiques, on essaie d'intimider les décideurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Malheureusement, des fois, ces décisions sont un petit peu en retard par rapport à ce que se fait. Et donc, on a toujours travaillé sur les changements climatiques. On a crié haut et fort que la Tunisie sera touchée de plein fouet par ces changements climatiques, même si elle n'est pas responsable de ce dérèglement, malheureusement. Et donc, à travers ces recherches-là, en fin de compte, ça paye. Ça prend du temps, c'est vrai, mais ça paye. Donc, durant ces dernières années, on a fait appel aux scientifiques. Donc, la voix du scientifique, elle se retrouve au niveau des conseils des ministres, au niveau des plus hauts responsables, parce que la solution qui existait en Tunisie, c'était la solution depuis les années 60, c'est de faire un réseau du nord vers le sud avec plusieurs barrages de surface. Donc, c'est des eaux de surface. Et avec ces changements climatiques, actuellement, on est à un taux de remplissage de 20% dans nos barrages. Donc, il fallait avoir d'autres alternatives. Et donc, on a proposé des solutions depuis les années 90. Il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont travaillé. Et donc, on est même pionniers dans certains domaines, comme la réutilisation des eaux usées, traitées, la recharge des nappes, où on a eu le premier essai en Afrique pour recharger des nappes par des eaux usées traitées. On a eu même des petites stations de dessalement pilotes dans les années 80. Et donc, tout ça, ça a été mis sur la table. Et actuellement, on est appelé à convaincre les sociétés de s'adapter par rapport au changement climatique. Parce que la voix du scientifique, elle est plus crédible. Et donc, je vous donne quelques exemples. Par exemple, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans les barrages depuis 7 ans, on vit une sécheresse très ardue. Donc, les agriculteurs, qui consomment 80% de l'eau, donc, se sont rabattus sur les nappes souterraines avec des forages illicites, des milliers de forages illicites. Et donc, pour convaincre les agriculteurs qu'il faut arrêter de faire ceci et cela, donc il faut les convaincre par des solutions, par des arguments scientifiques sur terrain. On a montré que les sources, il y a un tarissement des sources, il n'y a plus d'artésianisme. L'artésianisme, c'est-à-dire quand on fait un forage, on n'a pas besoin de pompes. Et là, on est obligé de faire des pompes. La qualité de l'eau, donc il y a une salinisation des nappes, et petit à petit, ils sont convaincus. Donc, et on essaye de les convaincre aussi de changer de type d'agriculture, d'utiliser par exemple des spécimens de tomates résilientes ou ancestrales, peu consommatrices en eau, de faire de la phytorémédiation de leur sol. On utilise des plantes par exemple extrémophiles qui peuvent extraire du sel du sol. Et donc, ils sont obligés de laisser des terres non cultivées en utilisant ces plantes-là. C'est pas facile de les convaincre. Et donc, je pense que le scientifique, pendant les temps de crise, comme vit la Tunisie, je pense, beaucoup de pays dans le monde et des pays africains aussi, par rapport à l'eau, la sécurité alimentaire, le scientifique, il a sa place. Et les décideurs, ils sont obligés de les appeler parce qu'ils peuvent être des intermédiaires avec la société. Bien sûr, il faut faire, à mon avis, toujours attention. Il ne faut pas faire du populisme scientifique. La solution scientifique, elle a ses arguments. Il ne faut pas faire du porte-à-porte et de donner des solutions par rapport à ce que demande la société. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et je pense, à travers la coopération Nord-Sud, on pourra améliorer ces solutions innovantes et avoir une certaine acceptabilité par rapport à la société.
Merci Hakim Makni pour cet exposé. Ce que vous nous avez montré, c'est que la science peut ou doit faire du citoyen son allié, finalement, hein, le décideur, on l'a compris, et puis aussi le citoyen, cet agriculteur par exemple, et n'importe quel citoyen. Mais il y a peut-être d'autres manières de faire. Michel Mbo-Chouaou, pour vous, il est nécessaire de réinventer la science. Pourriez-vous nous expliquer cela ? Alors, il est nécessaire de réinventer la science et peut-être le dire différemment, de la rendre plus participative et inclusive. Et c'est le pari que nous nous sommes donné à Watt, parce que la recherche, c'est la vie. Nous faisons la recherche pour répondre à des problèmes de société. Et ces problèmes-là touchent nos communautés rurales, peut-être plus que nos communautés urbaines, mais elles sont toutes touchées à différents niveaux. Et peut-être on n'a pas toujours les bonnes personnes pour répondre aux questions qui se posent dans nos différents pays. Alors quand on regarde un continent comme l'Afrique, où les femmes ne représentent que 28% de la recherche scientifique, on est encore très loin du compte. Et nous, à Howard, on s'est posé différentes questions. Qu'est-ce qui fait que les femmes ne soient pas intéressées par la recherche scientifique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, au-delà des problèmes socioculturels, des contraintes de différents ordres, il y a beaucoup d'éléments qui se sont posés à nous. La visibilité des travaux de recherche de ces femmes-là, l'autonomisation des femmes dans la recherche. Comment est-ce qu'on pouvait aussi commencer à penser à des modèles inspirants pour nos jeunes générations de chercheuses, et aussi créer des communautés de pratique, donner la possibilité d'égalité d'accès aux ressources scientifiques, ce qui n'est pas toujours le cas dans le continent. Donc il fallait proposer des solutions, et une des solutions qu'on a mis en place a été de développer des programmes de renforcement de capacités. On l'a fait et on continue de le faire dans le cadre du continent, où on développe des modèles de mentorat scientifique à différents niveaux, où on essaye de soutenir les chercheuses pour la mobilité scientifique, où on travaille avec différentes institutions à travers l'Afrique et dans le monde pour donner la possibilité de placer ces différentes chercheuses dans des institutions où elles peuvent travailler avec d'autres scientifiques et elles peuvent développer des projets collaboratifs de recherche. Il y a aussi toute la dimension recherche sud-sud qui est très importante, parce que quand on parle de mobilité, on voit plus les chercheuses qui viennent en Europe, ouais, qui vont aux États-Unis, alors que souvent en Afrique, on a beaucoup de centres d'excellence qui ne sont pas exploités, valorisés à leur juste valeur. On essaye aussi de créer ces collaborations-là avec différentes universités, centres de recherche au niveau de l'Afrique. Au final, il y a aussi toute la question de qu'est-ce que... On sait aujourd'hui qu'on n'a que 28% de chercheuses africaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter les nouvelles générations finalement à se lancer dans des carrières scientifiques? Il y a les questions de modèles inspirants. Comment est-ce qu'on va dans différentes institutions pour parler un peu à la jeunesse des challenges qu'on rencontre, mais aussi des opportunités de rendre la recherche plus visible et aussi la possibilité d'influencer cette recherche-là. Je pense qu'il y a surtout cette question de comment les femmes arrivent à des positions de leadership dans la recherche et qu'elles influencent les politiques publiques et qu'elles permettent à d'autres de se dire finalement, je pourrais faire la recherche et que ma recherche sera reconnue, non seulement au niveau local, parce qu'elles travaillent beaucoup avec les communautés, mais aussi au niveau national, au niveau régional, pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres dans le continent.
Merci beaucoup, Michel, pour nous avoir expliqué un petit peu, rebondir avec finalement cette question des femmes. Patricia Ricard, je me tourne vers vous à présent. Quand on pilote une structure comme l'Institut océanographique Paul Ricard, qui initie de nombreux projets de recherche, connaît-on la recette magique pour identifier les projets qui seront les plus transformateurs ? Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Alors, il n'y a pas de recette magique, mais en se retournant un petit peu sur les réussites et les choses qui ont plus ou moins bien marché, surtout celles qui ont bien marché chez nous et ailleurs, on se rend compte qu'il y a un modèle qui facilite un petit peu. Et ce modèle, on l'a appelé le carré magique, et c'est un modèle de partenariat. Parce qu'en fait, le scientifique, il est formidable quand il parle aux autres, enfin, aux autres scientifiques, aux autres politiques, aux autres chefs d'entreprise, aux autres ONG, enfin voilà, mais on ne peut pas faire tout le temps. Et en revanche, ce carré magique, il a la chance de créer cette chose où on dit souvent que le tout est supérieur à la somme des parties. Et en fait, ce sont des partenariats. Alors, ce sont des partenariats d'abord public, privé et philanthropique, je reviendrai là-dessus, c'est important. Et en fait, il faut qu'il y ait 4 piliers de la société. Donc, il faut évidemment un pilier académique, hein, l'académie. Il faut construire cette connaissance, la diffusion des connaissances, les cursus de formation. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le pilier connaissance, l'académique. Il faut le pilier économique parce qu'il faut qu'à un moment cette chose soit transformée. Il faut que ça se transforme en marché, en innovation, en valeur. Voilà. Donc, il faut un pilier économique. Donc un partenaire économique. Il faut très important ce que j'appellerais la société civile. Et en fait, je vais mettre dans la société civile tout ce qui s'exprime sur l'acceptation sociétale d'une innovation, d'une décision. Alors, je vais mettre évidemment les ONG, on va mettre tous les gens qui animent les réseaux sociaux. On va mettre les syndicats. Trop souvent, on oublie d'embarquer les syndicats dans des comités de pilotage sur des innovations. Et cette information, elle est importante, c'est important de la donner au départ. Et le dernier pilier, ça va être l'institution et le territoire. Parce qu'en fait, ces quatre piliers ont des différences à la fois de temps, c'est-à-dire que la science va s'inscrire sur un temps long, va publier quelque chose qui va devenir, une fois coopté par tous, une vérité, enfin une connaissance avérée. L'économique a un temps très rythmé, mais ça va créer des marchés, ça va créer des valeurs, des opportunités, des investissements, voilà. Je mets la banque aussi hein, dans l'économique. Les ONG, les sociétés, alors ils vont communiquer absolument tout le temps. Hein, c'est le flux des réseaux sociaux, des TikTok, des Twitter, des X, etc. Et là, ils vont vraiment faire avancer les mentalités, enfin, l'acceptation ou non. Et puis l'institution et le territoire, elle a un temps un peu long, qui est souvent en rupture avec les problématiques d'élection, mais qui va créer la loi et le règlement. Et quand vous arrivez à monter des projets avec ces quatre représentants, avec ces piliers, et toutes les interactions entre ces quatre piliers, ben vous faites ça un peu à la façon d'une programmation, comme vous programmez un bâtiment architectural, comme vous programmez... il faut vraiment que tout le monde parte dès le départ. Et là, il y a des phénomènes très vertueux, parce qu'on se rend compte que finalement, ben, pour beaucoup de gens, la connaissance scientifique, elle se limite à pas vraiment forcément autant de complexité, que pour beaucoup d'entreprises, le développement durable, ça s'arrête à l'énergie, hein. Une fois qu'on a mis des panneaux solaires et des éoliennes, la vie est belle. Donc tout ce qui est notamment le vivant, c'est très compliqué, hein, sauf si vous êtes dans une industrie pharma ou agro, mais le vivant a beaucoup de mal à rentrer dans le monde. Voilà. Et l'institution et le territoire, ben, c'est quand même la cohésion, c'est l'implémentation. Voilà. Et vraiment sincèrement, moi depuis un petit peu, maintenant ça fait un petit moment, hein, pas les pattes mais pas loin, moi, quand même, je vois les trucs qui marchent, je vois des choses qui ont marché comme ça. L'autre chose que je voudrais voir également, le rôle du scientifique. Parfois, j'aime beaucoup le comparer au rôle de l'artiste dans nos sociétés. Regardez la liberté, le financement, la tolérance qu'a l'artiste dans nos sociétés, et regardez les difficultés qu'on met pour le scientifique. Alors moi, je préconise le mécénat scientifique, au même titre que le mécénat culturel. Beaucoup d'entreprises ont des fondations d'art contemporain, tout le monde trouve ça tout à fait normal. Combien d'entreprises en France ont des fondations scientifiques sur ces sujets de climat, de biodiversité, d'océanographie? Pas beaucoup. Je crois qu'on se compte sur les doigts de 3 ou 4, bon, c'est pas normal. Et puis également ce financement. Je veux revenir à la philanthropie, parce que les partenariats publics privés, c'est formidable, mais
quand vous rajoutez une petite dose de philanthropie, c'est le petit truc qui va faire la différence. C'est le petit truc qui va apporter du temps, parce que la philanthropie, ça apporte de l'argent, mais ça apporte du temps, parce qu'il n'y a pas de reporting très lourd, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de... Et qu'à un moment, il faut voir la charge que représente aujourd'hui là, le pilotage des financements dans les labos et dans les équipes. C'est... On ne demande pas ça à un artiste. Hein. Voilà. Et l'autre chose, c'est le temps. Le financement des programmes scientifiques et des équipes, il faut avoir le courage de faire du financement sur le temps long. Pas forcément mettre beaucoup tout de suite, mais assurer un temps long avec une visibilité de manière à ce que les équipes puissent... Voilà. Il y a beaucoup trop de gâchis, je trouve, d'équipes qui travaillent pendant 3 ou 5 ans. Après, le programme s'arrête et tout ça, finalement, n'est pas valorisé ou pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un travail, en fait, de mieux connaître les besoins des scientifiques. Peut-être qu'il faudrait aussi travailler un petit peu sur communiquer c'est quoi être un scientifique, c'est voilà quelles sont ses contraintes aussi près de l'école. Enfin, les scientifiques on les voit un petit peu plus maintenant, mais on les voit pas assez. Moi je me souviens à l'institut on recevait 5000 scolaires par an et les scientifiques étaient présents, les enfants pouvaient leur parler. Voilà, donc je pense que on admire les footballeurs, on admire les chanteurs, ça serait bien si dans quelques années on admire les scientifiques aussi. Voilà, on va voir si on peut fonder un groupe, peut-être un groupe de scientifiques qui chanteraient et qui en plus feraient de la science. Merci beaucoup, Patricia, pour cette vision. Je me tourne désormais vers votre voisin, François Teddy. Vous avez fondé le Learning Planet Institute. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a justement une potion magique susceptible de transformer la société quand on parle à partir de la science et de la recherche ? En fait, je pense que pour répondre à cette question, il faut regarder l'histoire. À Athènes, par exemple, la société a changé parce que les scientifiques... mais aussi la démocratie et l'éducation ont coévolué avec la citoyenneté autour de l'agora et autour de la technologie de l'époque qui était l'écriture. Et donc, quand la philosophie, les arts et toutes ces différentes disciplines se marient, à ce moment-là, on voit qu'on peut transformer une société. Et donc, les scientifiques seuls ne peuvent pas faire grand-chose, mais s'ils savent créer des alliances avec d'autres communautés, c'est possible. En fait, on a vu la même chose pendant les Lumières. Pendant les Lumières, on a eu à nouveau, cette fois-ci autour de l'imprimerie et de la nation, une alliance entre les académies, y compris les académies des sciences, mais aussi les académies des arts, des lettres, mais aussi les salons, et à nouveau une capacité à réinventer cette combinaison que Condorcet définissait très bien. Il disait « on ne peut pas avoir de démocratie sans éducation, on ne peut pas avoir d'éducation sans citoyenneté, on ne peut pas avoir... » tout ça sans la science. Donc en fait, ce package a été inventé plusieurs fois dans l'histoire, il faut juste le réinventer encore aujourd'hui. Cette fois-ci, il faut l'inventer non pas autour des murs de la cité, qui ont exclu, n'étaient citoyens que 15% des Athéniens. Et les murs de la cité ont séparé les humains de la nature. Donc si vous étiez une femme, si vous étiez un enfant, si vous étiez un migrant, si vous étiez un esclave, vous n'étiez évidemment pas citoyen d'Athènes. Donc c'était réservé à une petite élite. La question aujourd'hui, c'est de créer une citoyenneté planétaire, qu'on pourrait appeler une planétoyenneté, une capacité à penser au-delà des murs de la cité pour penser les frontières de la planète. Donc on a besoin d'inventer ce package, et on a besoin, si on veut prendre des décisions démocratiques sur nos enjeux planétaires, on a besoin d'une démocratie planétaire. Donc de même qu'on a su inventer des démocraties à toutes les échelles, il va nous falloir réinventer une démocratie planétaire si on veut, encore une fois, des solutions, et en particulier des solutions démocratiques à nos grands défis d'aujourd'hui. Nos grands défis, ce sont des défis de biens publics. Quand on parle du climat, de la biodiversité, de l'Amazonie, ce sont des biens publics. Quand on parle de la science, ce sont des biens publics. Les premiers sont des biens publics naturels. Les deuxièmes, la science, l'éducation, la démocratie, sont des biens publics intellectuels. On a aussi aujourd'hui des biens publics numériques. L'informatique, le web, l'intelligence artificielle, Wikipédia sont des biens communs. Et on a besoin de se former à protéger et nourrir ces biens communs. Alors qu'aujourd'hui, notre système éducatif a un paradigme dominant qui est celui d'être le meilleur de la classe, le meilleur du pays, le meilleur de la planète. On a besoin de passer de ce meilleur du monde à un meilleur pour le monde. Est-ce qu'on peut être formé non pas à la compétition avec ses petits camarades, mais à la coopération sur les défis d'aujourd'hui pour contribuer à co-construire ensemble les solutions dont on a besoin et co-construire de nouveaux biens communs ? Des biens communs intellectuels, des biens communs naturels, des biens communs scientifiques qui vont nous aider à repenser l'ensemble de ces sujets. Donc on a besoin systématiquement de former différemment et il se trouve que le système éducatif est une des choses qui évolue le moins vite.
Moi, je suis biologiste de l'évolution. Je peux vous dire que si vous évoluez moins vite que votre environnement, vous allez devenir obsolète avant de vous en rendre compte. Et donc, on a besoin de faire évoluer le système éducatif et on a besoin de le reconstruire autour de ces enjeux planétaires avec les nouvelles générations. Et ça tombe bien, c'est l'intention des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, par exemple, il y a 2 ans, pendant le sommet transformation de l'éducation à l'Assemblée générale de l'ONU, a dit qu'il y a 4 manières d'interagir avec la jeunesse. La première, c'est de les ignorer. La deuxième, c'est de faire semblant de les écouter. Et il a dit l'ONU et bien d'autres organisations ont fait ça pendant beaucoup trop longtemps. La troisième, c'est de dialoguer avec les jeunes. Et la quatrième qui reste à inventer d'après lui, c'est de co-construire l'avenir. Et cette année, c'était le sommet du futur à l'ONU, le mois dernier, et la décision a été prise d'entendre les perspectives des générations futures à chaque fois qu'on prendra une décision internationale et même une décision nationale. Et en plus, ils ont demandé à ce que systématiquement 50% de l'humanité qui a moins de 30 ans aujourd'hui soit entendue dans les décisions alors qu'ils ne représentent que 1% des élus démocratiques dans nos sociétés. Donc on a besoin systématiquement de co-construire avec les nouvelles générations à la fois de nouvelles manières d'apprendre, de mobiliser l'intelligence collective, de préserver les biens communs, mais aussi de repenser la démocratie et notre capacité à prendre des décisions qui seront soutenables et qui permettront aux nouvelles générations de se développer de manière aussi harmonieuse que possible. Donc on a un devoir collectif de repenser ça. Il se trouve que, par exemple, l'UNESCO nous a invités à réfléchir à ce que serait une académie de l'UNESCO. Donc aujourd'hui, les universités ont une longue histoire qui sont des histoires contraintes sous les dimensions nationales, politiques, économiques, scientifiques. Que serait une université planétaire qui prendrait en compte systématiquement les grands enjeux de la planète, qui serait ouvert à tous les étudiants et toutes les étudiantes de la planète. Tout à l'heure, vous parliez du dernier soldat au dernier rang. Moi, je préfère la dernière étudiante au dernier rang. Vous prenez la femme afghane, typiquement, elle est complètement exclue du système éducatif aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut inventer des dispositifs qui la mettent au premier rang et qui lui permettent d'apprendre comme pour tout un chacun, tous ceux et toutes celles qui voudront s'engager à prendre soin d'eux, des autres et de la planète, ont besoin de disposer de dispositifs où on passe d'une logique de compétition et d'exploitation à une logique de coopération et de care dans lequel, systématiquement, on met au cœur notre capacité profondément humaine et que n'ont pas forcément les machines d'ailleurs, et donc je pense que ça fait partie des choses qu'il nous faut développer, à coopérer, à la compassion, à cette envie de prendre soin de soi, des autres et de la planète. Alors moi je vous la pose cette question, comment inventer le dispositif qui permette notamment d'intégrer cette Afghane et toutes ces autres personnes dans cette, alors je vais essayer de ne pas me tromper, planétoyenneté. Merci cette question. Je pense qu'en fait ce qu'on peut faire c'est d'inviter l'ensemble des jeunes de la planète à nous donner leur point de vue sur les dispositifs dont ils ont besoin. On peut aujourd'hui, par exemple, travailler avec des femmes afghanes qui sont à l'étranger, ou on peut même travailler avec celles qui sont à l'intérieur, mais qui disposent d'outils numériques pour se connecter. On peut systématiquement essayer de repenser les principes démocratiques. Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir des intelligences artificielles qui peuvent entendre les millions de perspectives des jeunes de la planète, en faire une synthèse et s'en servir pour repenser, par exemple, le fonctionnement des Nations Unies ou les grandes décisions. Et ça, on peut le faire aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Demain, on pourra même aller un cran plus loin, puisque je ne sais pas si vous savez, mais non seulement les large language models qui traduisent toutes les langues humaines entre elles sont en train d'attaquer les langues animales. Donc si demain, vous pouvez parler avec des dauphins ou avec des baleines... On si aurait une vraie planétoyenneté pour le coup. Là, on va prendre d'autres décisions sur l'avenir de l'océan. Ça paraît évident. Est-ce que vous avez des réactions sur cette idée ou cette proposition de planétoyenneté? Donc, j'imagine qu'en anglais, on était sur Earth and Ships. Je ne sais plus, attendez. Planet and Ships, sorry. Pardon, désolé. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette proposition, Patrick? Vous avez chacun votre micro, hein, donc n'hésitez pas, vous avez un micro chacun. Ce n'est pas une réaction, mais c'est un fait évident, c'est que les sciences fondamentales du vivant, la physique, la biologie et la chimie sont partout pareilles sur la planète. Tout à fait, oui. On a tellement de problèmes de différences, de genre, de couleur, de religion, d'idées politiques, que là, pour enfin, on a un truc qui nous met peut-être un peu tous d'accord. C'est une belle idée à creuser. Après, effectivement, il faut surmonter des choses plus graves. Et j'ai une pensée pour les Afghanes et... Sincèrement, j'étais jeune à l'époque de l'apartheid et tout le monde trouvait normal de lutter contre l'apartheid. Et là, je trouve que le silence est pesant sur l'apartheid fait aux femmes en Afghanistan. Voilà, donc je voulais juste qu'on voit les choses sous cet aspect-là.
Comment lutter contre ces exclusions dont vous-même vous dites François que Athènes à cette époque-là ou pendant les Lumières il y avait beaucoup d'exclus. Comment est-ce qu'on crée cette nouvelle énergie, cette nouvelle éducation en évitant les exclusions? Est-ce que vous avez des pistes pour ça? Qui veut? Allez-y, Michel. Moi, je crois que tout est dans l'intention. On parle beaucoup, mais il n'y a pas d'action. Ouais. On connaît les réalités qui se posent à nous, mais quelles sont les réalités? On parle, par exemple, des femmes afghanes aujourd'hui. Je pense que c'est la réalité de beaucoup de femmes africaines aussi et de beaucoup d'autres femmes à travers le monde. Mais est-ce qu'on va auprès d'elles? Est-ce qu'on cherche à comprendre les problèmes qui se posent? Moi, ce que je vois dans la recherche, c'est on va vers ces populations qu'on dit marginalisées avec des idées préconçues. Donc on arrive à Djibouti, on dit bah, les femmes n'apparaissent pas, ne sont pas visibles dans la chaîne de valorisation du poisson. Bah, on va se débrouiller pour avoir une femme qui va commercialiser le poisson, qui va être à la pêche, qui va être à la production. Et elle vous demande, est-ce qu'on vous a dit qu'on avait besoin de ça? Donc est-ce qu'on va au cœur des problèmes, des vraies réalités qui se posent à ces populations vulnérables, selon nous, et comment est-ce qu'on adapte nos solutions à ces populations-là? Je pense qu'il y a toute cette partie de la recherche qui n'est pas encore valorisée. N'allons pas vers ces populations avec nos problèmes, allons vers elles et comprenons qu'est-ce que les écosystèmes nous montrent, qu'est-ce que les sociétés ont établi et quelles sont leurs aspirations pour l'avenir. Je crois que c'est peut-être là qu'on aura des solutions qui répondront d'une certaine manière aux réalités de ces populations. Merci Michel. François, vous voulez réagir? Oui, volontiers, entièrement d'accord avec le fait qu'il faut partir des besoins du terrain et essayer d'aider tous ceux qui sont sur place à prendre le leadership et à devenir capables de relever leurs défis personnels, les défis de leur communauté, qui sont en fait des défis planétaires, parce que tous ces défis sont interconnectés. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a toujours eu une interdépendance locale. Aujourd'hui, il y a une interdépendance globale. Et donc, il faut prendre à la fois ces différentes interdépendances et ces différentes vulnérabilités croisées qui sont associées. On voit bien qu'un virus qui apparaît en Chine peut se propager sur toute la planète. Et on a besoin donc de prendre en compte l'ensemble de ces dynamiques complexes et de créer de nouvelles formes de coopération, à la fois localement et globalement. C'est-à-dire que si typiquement les étudiants sont capables initialement de relever des défis dans leur communauté, que ce soit en Afrique, en Afghanistan, en Europe ou ailleurs, on peut les inviter à documenter leurs solutions, à les partager et à faire en sorte que d'autres puissent s'en emparer pour à leur tour apprendre et gravir des épaules de géants pour aller plus loin. Un gravir des épaules de géants, c'est la définition de la science pour Newton, c'est la définition de l'université dès le Moyen-Âge et c'est absolument essentiel. Si on ne veut pas réinventer la roue, on a besoin de documenter, de partager et de s'éduquer pour avancer toujours plus vite, toujours plus efficacement. Et donc on a besoin de co-créer des solutions qui nous permettent de relever ces défis et on a besoin de co-construire ces solutions avec les jeunes générations. Ce qui est impressionnant, c'est que les jeunes sont beaucoup plus créatifs que ne le sont les adultes. Ça a été montré par de la recherche, y compris Alison Gopnik à Berkeley, premièrement. Deuxièmement, ils ont intérêt à ce que, de long terme, à ce que les solutions soient trouvées le plus vite possible. Et ensuite, il a été montré dans différents endroits, y compris dans des endroits qui sont relativement improbables, comme Haïti, qu'on peut former des jeunes de 6 à 18 ans à relever des défis toujours plus importants, et on peut en faire des jeunes qui peuvent gagner des médailles aux Olympiades internationales. Et donc, on peut avoir, y compris dans des lieux comme Haïti, des écoles dont la Fondation Lego disent qu'elles préparent le mieux au monde de demain. Et donc, cette capacité à permettre à développer, on n'a même pas le mot en français, agency, empowerment, donc ces capacités à prendre le pouvoir et le pouvoir d'agir sur soi, sur sa communauté, sur sa planète et sur son avenir. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'apprendre dès le plus jeune âge et qui s'affine et qui peut être médié par la technologie. Et c'est là où l'intelligence artificielle peut permettre non pas la bêtise collective, ce qu'elle fait très bien sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais l'intelligence collective et la capacité d'agir collectivement pour contribuer à résoudre les défis qui sont les nôtres et qui seront toujours plus grands à l'avenir. Merci François. Kim, vous vouliez prendre la parole. Concernant j'aimerais rebondir sur la question d'exclusion. C'est selon le contexte local. Par exemple, en Tunisie,
on a eu un long processus d'éducation et d'émancipation de la femme. Donc 70% de la recherche scientifique se fait par des chercheuses en Tunisie actuellement. Donc bien sûr, il faudra encore cravacher dur pour que les femmes soient au poste clé, bien sûr. Mais par contre, concernant les jeunes, comme vous savez, il y a eu une révolution en Tunisie. C'est les jeunes qui ont fait cette révolution. Moi, personnellement, j'étais partie prenante. Donc, la voix du jeune. Et donc, petit à petit, il y a eu un processus de débat concernant comment intégrer ces jeunes-là. Donc, par exemple, on a mené une action. Pour financer la recherche au niveau des projets, il faut que la société civile soit présente. S'il n'y a pas un partenaire socio-économique et surtout une société civile représentée par des jeunes, donc on pouvait refuser le financement de projets. Il y a même au niveau des projets européens, la Tunisie elle est partenaire donc avec l'Europe et la société civile elle est présente. Donc on fait toujours soit au niveau du lancement du projet le kick-off avec des jeunes qui sont présents, qui donnent leur avis et ensuite l'acceptabilité de l'innovation ou des solutions proposées, elle est discutée par ces jeunes-là. Bien sûr, il faut peut-être trouver d'autres solutions, surtout utiliser l'intelligence artificielle, tous ces réseaux, pour que ce soit à l'échelle de l'Afrique du Nord, de l'Afrique, ensuite le bassin méditerranéen, ça nous réunit donc les questions de changement climatique, etc., et encore plus à l'échelle mondiale. Donc, mais selon le contexte de chaque pays, on doit ouvrir à diminuer ce type d'exclusion. Je voulais juste revenir au titre de la table ronde « Transformer les sociétés, le rôle des scientifiques ». Comment emmener les populations ? Parce que c'est bien gentil, pour transformer les sociétés, il faut effectivement emmener les populations. Vous avez dit que ce n'est pas toujours facile. Comment est-ce qu'on rapproche la science du public pour convaincre le public que la science va changer leur vie en mieux ? Que manque-t-il à la science ou à la recherche actuelle pour réussir à changer le monde ? Je pense qu'il faut tout simplement sortir. J'aime bien le tout simplement. J'attends la solution toute simple. Sortir des bureaux et des centres de recherche et aller vers la société. On revient sur la recherche participative. Donc c'est un nouveau paradigme. Il faut aller faire la recherche sur terrain, se réunir avec les bonnes personnes, la société civile, choisir. Bien sûr, il y a des jeunes qui sont éduqués. On retrouve des ingénieurs, des gens bien formés aussi, qui peuvent aussi nous aider pour faire passer l'information. Je vous donne un exemple. Nous, on a bien sûr un gros problème au niveau du stress hydrique. Il y a un barrage dans une région donnée en Tunisie. Il est à 2% de taux de remplissage. Et c'est une région qui vit de l'agriculture assez consommatrice en eau. Donc, il fallait faire un débat énorme avec les agriculteurs. Et comment vous les avez emmenés, alors, justement ? Donc, petit à petit, on a expliqué qu'il fallait arrêter, premièrement, de pomper l'eau, et c'est de l'eau salée, et elle va dégrader le sol, avec des exemples concrets sur terrain. On essaye de les convaincre. Et il faut changer de type d'agriculture petit à petit. Donc, il faut faire de l'agriculture peu consommatrice en eau, et on va faire un accompagnement durant une dizaine d'années. Et le scientifique, il est sur terrain avec eux. Bien sûr, le politicien, il est avec nous, les collectivités locales aussi. Donc, je pense qu'on doit se déplacer vers... Ce n'est pas facile, je sais, parce que le scientifique aussi, il doit être concentré sur ses travaux de recherche au laboratoire, publier, faire des brevets. Il ne peut pas tout faire. Et donc, et il y a aussi la création de ce qu'on appelle, on l'a fait en Tunisie, dans les centres de recherche, tous les centres de recherche, c'est des cellules de vulgarisation et de transfert technologique. Donc, c'est des gens spécialisés qui se forment, bien sûr. Ça peut être des docteurs qui font des formations complémentaires pour savoir interagir avec la société, parce qu'il faut choisir les bonnes paroles et expliquer d'une façon simple et efficace, et essayer de convaincre surtout la population. François, vous voulez réagir ? Oui, pour donner un exemple, on sous-estime la capacité des jeunes générations à contribuer. Je ne sais pas qui dans la salle sait quel est l'âge des plus jeunes auteurs de publications scientifiques. Moi, pendant longtemps... 14-16, d'accord ? C'est 8 ans.
D'accord. Donc c'est quand même très impressionnant. Et ça montre qu'on peut contribuer à l'exploration de la connaissance. Donc en volume de connaissance, évidemment, il y a 100 fois plus de publications tous les 100 ans, 1 million de fois plus en 300 ans. C'est colossal. S'il faut tout apprendre avant d'avoir le droit de poser une question, alors on ne s'en sort pas. Par contre, le pic de curiosité étant à 5 ans, si on sait écouter les jeunes et si on sait répondre à leurs questions, on s'aperçoit qu'assez vite, on va être sec dans leur questionnement, dans notre capacité à répondre à leurs questions. Et donc s'ils ont une question dont personne n'a la réponse, eh bien c'est la frontière de la recherche. Et donc on peut les aider parce que ils sont, Lison Gopnik l'a très bien montré, on est tous nés chercheurs, et donc y compris les plus jeunes, mais nous aussi. Et donc on peut tous participer à ces projets de recherche participative dès le plus jeune âge. Et on peut aussi contribuer à co-designer des solutions qui correspondent à nos défis. Donc pour vous donner juste un seul exemple, nous on vient de lancer un Youth Design Challenge, on a invité les jeunes du monde entier à nous dire quelle université planétaire ils voulaient pour demain. Donc si vous connaissez des jeunes autour de vous, malheureusement il y en a un peu trop, pas suffisamment dans la salle de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, si vous en voyez autour de vous, n'hésitez pas à leur dire qu'ils peuvent contribuer à réinventer le monde de demain, à commencer par les écoles et les universités de demain. Patricia, allez-y. Je vais te dire un truc qui paraît un peu bizarre, mais le rôle des scientifiques, il peut être remarquable quand on leur laisse le temps de rêver un peu aussi. Regardez ce que le rêve des hommes qui voulaient marcher sur la Lune a transformé nos sociétés. Hein, on a tous ça maintenant. Bonjour, satellite. Et alors, moi, je vais vous donner un petit exemple. En fait, il y a quelques années, on a dû refaire notre labo parce qu'il tenait vraiment plus. C'était une petite serre qui avait grandi. Maintenant, on a une belle unité de recherche. Mais on s'est retrouvé pendant 2 ans sans labo. Et là, on a beaucoup joué. On a joué à quand je serai grand. Voilà. Et en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce que serait l'aquaculture idéale aujourd'hui, si on enlève le carbone, si on enlève les farines de poisson, si on enlève la chaîne du froid, si on enlève l'eau, enfin l'eau de la chaîne du froid. Voilà. Et là, finalement, on a commencé ensemble, eux pour la partie scientifique et d'autres pour les parties plus logistiques, etc. Et on a dessiné quelque chose qu'on a mis au point maintenant. Mais c'est passé par cette phase d'incubation un peu idéaliste, mais qui finalement a permis d'identifier les seuils à dépasser. Et aujourd'hui, ce programme existe en pièces détachées, mais il existe surtout en Afrique, avec des GIE de femmes, avec un système de crédit revolving, c'est-à-dire que la fondation Veolia, qui nous accompagne là-dessus, paye le premier bassin, et après, les femmes, au lieu de rembourser la fondation, investissent dans une autre ferme un peu plus loin. Mm-hmm. Et les leçons que j'en retiendrai, c'est essayer de sortir du scale-out, parce que le scale-out est peut-être... Il y a beaucoup de gens... Ça laisse beaucoup de gens sur la route, le scale-out, hein, qu'il faut que ce soit grand, beau et cher. Et en fait, le spread-out et faire du low-cost, high-efficiency, faire des choses réplicables, donner juste ce qu'il faut de connaissances scientifiques pour avancer et pas forcément leur demander d'aller faire 4 ans d'études dans une université. Voilà, en fait, c'est du bon sens. Moi, j'aime bien de la bonne science et du bon sens et un peu de cœur. Et ça va très vite, en fait. Hein. Et puis, pour les jeunes, je crois que c'est eux qui nous donnent... Enfin, il n'y a qu'à voir tout ce qu'ils ont inventé depuis 10 ans, ça va. Mais la science, ça ne s'invente pas, il faut y aller. Donc, Je laisse la parole à Michel pour l'instant. Je suis très contente d'entendre tout ça, mais je voudrais aussi ajouter la co-création intergénérationnelle. Je suis tout à fait d'accord avec... Oui, on n'a pas que les jeunes, effectivement, c'est ensemble. Les jeunes, effectivement, mais on a aussi tous ces savoirs locaux qui ne sont pas très valorisés par la recherche. Donc, quand on va sur le terrain, évidemment, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passait avant. Pourquoi ça se passait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on envisage le futur où on a toute cette génération et toutes les nouvelles technologies qui se croisent? Mais comment on ramène le passé au présent pour l'envisager dans le futur? Je crois que c'est une des choses que les modèles de co-création aujourd'hui doivent aussi pouvoir porter. Allez-y, François. Oui, merci. Juste un point, je ne sais pas qui le sait dans la salle, mais cette année, c'est le centenaire des droits de l'enfant. Il se trouve que les droits des enfants ont été écrits par les adultes. Hein, c'est comme quand les droits des femmes sont écrits par les hommes. Ça ne marche pas exactement comme elles le souhaiteraient. Et donc, en fait, si on demande aux enfants quels droits ils aimeraient avoir, par exemple, si on leur donne un nouveau droit, qui est le droit de demander les droits, on observe des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, ils s'intéressent au peuple indigène, ils s'intéressent à donner les droits à la nature, ils s'intéressent à éventuellement avoir le droit de vote, avoir le droit à l'éco-espérance. Donc, ils inventent des droits qui sont magnifiques et cette capacité de créativité, à mon avis, est absolument essentielle. Et ils veulent même le droit de rêver.
D'accord. Et un jour, un de ces jeunes m'a dit, mais en fait, comment on fait pour transformer son rêve en réalité ? Et j'avoue que c'était une des questions les plus belles qu'on m'ait jamais posées et que j'étais un peu sec. Et j'ai puisé dans Imagine et John Lennon en disant « I may be a dreamer, but I'm not the only one ». Et donc en fait, si vous voulez transformer votre rêve en réalité, il vaut mieux pas être le seul. Et donc ce qu'il faut, c'est créer un collectif de rêveurs qui se donnent les moyens, y compris scientifiques, technologiques, pédagogiques et économiques, de créer leurs rêves. Et je pense qu'un rêve personnel, depuis que j'ai lancé ce genre de réflexion, c'est d'avoir un GPS des rêves qui nous aiderait à savoir qui a les mêmes rêves que soi et avec qui on pourrait voyager dans l'espace des rêves, y compris identifier l'espace des cauchemars, parce que les rêves de Poutine sont les cauchemars des Ukrainiens et même des Russes et de beaucoup d'autres citoyens de cette planète, de planétisme. Et donc on a besoin de cartographier ça. Et des fois, on a des rêves qui sont des cauchemars des autres sans qu'on le souhaite. Parce que, par exemple, le réchauffement climatique, personne ne l'a souhaité, mais beaucoup vont le subir, si ce n'est tous. Et donc, on a besoin, y compris de l'intelligence artificielle, pour nous aider à cartographier ces rêves, ces cauchemars, de manière dynamique, et de nous aider à identifier les rêves qui sont mutuellement compatibles. Et c'est là dont on a besoin de la science. Quels sont les rêves qui sont mutuellement compatibles et comment est-ce qu'on peut les co-construire, les transformer en réalité ? En fait, j'aimerais finir là-dessus, parce qu'on va terminer là-dessus justement, et que le rôle des scientifiques, c'est peut-être d'aider à créer ce réseau des rêveurs. Je trouve ça assez joli, moi, ce réseau des rêveurs, entre qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, parce que je pense qu'on a les rêves des sages dont parlait Fanny tout à l'heure, etc. Donc, je trouve que c'est une assez belle image pour conclure. Donc, merci François pour cette proposition. Merci à tous. Si vous pouviez applaudir notre panel, merci à vous d'être venu discuter avec nous aujourd'hui.